Voilà, ah, ça a l'air de fonctionner. Incroyable! Incroyable, ça a l'air de fonctionner, c'est fou. Faire juste un petit reload du stream pour avoir le uptime. Alors, je suppose que c'est plus intéressant de jouer en actif. Quoique honnêtement, j'en sais rien. Les ennemis attaqueront même si nous pas après. Bon, je suppose que c'est plus dur du coup en actif. On va jouer en actif. On va laisser du coup les noms d'origine. Je suppose que c'est bon, hein. Alors, je sais pas si le jeu de base était en français, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé une version en français. Alors, je suppose que c'est une trad amateur, et je pense du coup qu'il y aura des choses assez drôles. Wallou. Alors la question c'est est-ce que je lis les dialogues ou alors je vous laisse plus ou moins lire? C'est une question à se poser. Alors, normalement j'ai vérifié les boutons Xbox, enfin les boutons avec la manette Xbox, ça a l'air d'extrêmement bien fonctionner. Y a pas de son? T'es sûr qu'il y a pas de son? Alors oui, effectivement, il y a pas de son. Oh putain, j'en ai marre des problèmes quoi. Pourquoi il y a pas de son? Que là il y a du son. Oh putain, le jeu est... Oh mon dieu. Ah voilà, je vois, tu avais relancé le stream. Ouais, mais il y avait du son. C'est les embrouilles, les joies du direct. Parce que sur OBS je peux pas voir. Attends, si je peux voir. Si, si, il y a du son. D'accord. D'accord, bon, ok. On va partir, hein. Le début du stream est un peu catastrophique, mais c'est les aléas du direct, hein. Je regarde s'il n'y a pas éventuellement des objets cachés, n'est-ce pas? Enfin! Au fait, ton ami l'inventrice? Tu sais, j'ai oublié son nom. Ah, Luca. En gros, c'est Bulma, quoi. Pas des objets, non. Un Pokémon. Oui, non, mais. Oh, bah voilà. Oh, bah oui, du pognon. Clairement, du pognon. T'en as pas plus à me donner? Ah. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les options? Je teste les boutons. Hop, 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 hop. On peut sauvegarder quand on veut? Non, effectivement non. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont fous. Bienvenue à la fête millénaire, visez-vous bien, ce soir, oui!
J'ai entendu que Luca et son père avaient encore fait une autre invention farfelue. J'espère qu'elle n'explosera pas comme toutes les autres. Ah, ça plante le décor. C'est Square Lynn. Il est dit que les personnes qui entendent la cloche de Lynn sonner auront des vies heureuses et intéressantes. Si seulement c'était aussi simple, n'est-ce pas? Ouais non, j'en sais rien. Spoil, tu vas aller dans le futur et c'est la merde. Ah! Ah, je suis vraiment triste d'avoir été spoilé de ça! Non, bien entendu, je m'en doutais un petit peu. Jeu sans doute. Ah oui, d'accord. Impressionnant! Je vais rouler un point à ta carte! Ouais. Mais non, je t'ai déjà vu, toi. Y'a pas un truc pour sprinter parce que. Ah si, bien sûr que si. Non mais en fait non, non. Spoil, tu vas fail. Lol. Ah mais y a sûrement des trucs à acheter dès le début du jeu. Dès le début du jeu, c'est les embrouilles. Bienvenue au labo de Nordstein Beckler. Le spectacle va bientôt commencer. Ah. Combien de points veux-tu payer pour le spectacle? Bah aucun, j'ai pas assez. Ouais, c'est les coureurs, ils s'en foutent de ma gueule. Oh là là, incroyable, fille. Eh hey. Ah, ils avaient mal. Oh, la cloche, incroyable. Quel twist. C'est vraiment bien fait, quel scénario. Je suis vraiment désolé, est-ce que tu vas bien? Moi, je vais pas faire les voix, hein. Je pense pas que je vais faire les voix, ça va vite être chiant. Ton total de points est de 1. Non. Y'a plus de son, c'est logique. D'accord. Grande valeur sentimentale. Puis-je le reprendre? Non, va te faire foutre! Bah oui. Oh oui. Viens marcher un peu avec moi. D'accord, c'était normal. C'était scénaristique pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Elle est vachement contente quand même. Au fait, mon nom est Marly. Ah oui, c'est ça. Marle. Chrono. Mais quel joli nom. C'est incroyable. Ravi de te rencontrer. Maintenant, on y va. Ouais, déjà, elle fait l'autoritaire. Bah non. D'accord, en gros, faut faire. Faut passer le temps, quoi. What the fuck is this? Un concours de soda, presse le bouton A aussi vite que tu peux. Oh putain, truc de mongolien. Est-ce que c'est le bon? C'est le bon bouton, moi. Combien de canettes? Seulement 7? Quoi? Mais j'ai bourré comme un sac! Et c'est déjà pas mal, non? Tu es vraiment compétitif, n'est-ce pas? Bah ouais. Putain mais... Comment je peux faire? Putain de merde! Putain mais de merde! Mais c'est chaud! Je me suis niqué les mains, quoi.
Il y a des techniques, normalement c'est faire... Attends, je vais essayer la technique du schnapps. Normalement on l'entend. On dirait que je branle ma manette, c'est génial. Et ça marche même pas. Je vais y passer la soirée. Hein. Non, je vais être fatigué. C'est là que je me dis qu'une webcam, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Ah, mais putain, comment j'ai fait 7 l'autre fois, quoi. Et c'est impossible, quoi. Non, mais va te faire foutre, c'est bon, je suis crevé, je suis déjà claqué. Où est mon chat? Putain, ça sent la mini-quête où il faut aller retrouver le chat. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est une rave ou quoi? Ils ont l'air tous drogués ici. Quoi? Ah ouais, c'est vraiment génial. Ah, je suis vraiment content. Oh merde. Ouais, ouais, j'avoue. En plus, il y a moyen de faire que la manette est turbo. Mais bon, tant pis. Quoi? Rythme jurassique. Ouais. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Danse préhistorique comme c'est charmant. Oh oui, c'est vrai que c'est vraiment génial. Merde, putain, c'est vrai, y'a ça. Bon, d'accord, je la ferme. Pas le temps de parler, je suis juste là pour des gens. Oh, ça va, parle-moi meilleur. Tu peux gagner des points si tu arrives à le... Oh bah écoute. Ouais, mais il a pas l'air gentil. On m'appelle Gato. Gato. Je suis l'entraîneur robot, fais sauter mes joints. Ouais. Et tu auras 15 points. Et je parie que tu vas avoir... Que tu vas voir des hommes préhistoputes le faire. Ok. On va attaquer comme un bœuf. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses à faire. Quoi? Ah, c'est ses attaques ça? C'est ridicule. Eh, mais je vais clamser en plus. On peut se déplacer? On peut se déplacer ou pas? J'ai pas de technique. Trop lent pour contre-attaquer. Ah bah oui. Tu gagnes 10 points d'expérience. Putain, on veut farmer. Tu gagnes 1 point tech. Waouh. 1 point tech. D'accord. Ah, c'était vraiment génial. Je suis vraiment super content. Ok, c'était juste pour faire pour décorer. Elle est beaucoup trop entraînante cette chanson. C'est toujours pas bon. Oh là là. Il doit y avoir un truc pour trigger ça, mais je ne sais pas. Non mais là je vais me barrer. D'accord, on peut se barrer comme ça, il n'y a aucun souci. Pas moyen de jouer courir aussi, non? Parce que je cours plus vite que sans souci. Hein. Mais oh, tu m'emmerdes. Oh merde, j'aurais dû dire oui, oh qu'est-ce que je suis con. Non mais j'aimerais bien passer en fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait quoi.
Non, j'ai pas envie. Je dois quand même pas faire ce truc là quoi. Non, ils auraient pas fait ça. Non, parce que sinon il y a plein de gens qui seraient restés calés. Pam pam pam. Sneaky spoui. Et ben voilà, le jeu vient de commencer, on est déjà calé. Non, je m'en fous. Ah, mais c'est le chat. C'est le chat, merde. Ah. Il a disparu. Fallait retrouver le chat. Le chat Niaga. Mais ah, laissez-moi tranquille, merci. Ah, ça, c'est les mecs sous speed. Enfin, non, mais ils ont pas l'air d'être sous speed en fait. Déglingué, ouais, mais sous speed, non. Il joue le Pokéfion là. Ah, peut-être regarder le spectacle. Je l'aime bien ce jeu. Bah, il a l'air cool, effectivement. Ça a l'air d'être un bon vieux RPG, quoi. Comme on en fait plus aujourd'hui. Bah non, je ne sais pas. Mais il est là, salaud. Hé hey. Faut rien faire avec... Merde. Allô. C'est pas lui peut-être. Hey. Ça se trouve c'est ça, il faut regarder le spectacle. Mais non mais... Je serais quand même content quand l'histoire sera lancée. Hein. Ah mais il est toujours là? Salaud! C'est peut-être pas lui en fait, ça a peut-être rien à voir. Mais si, il s'est barré là, je l'ai vu. Il est parti à la vitesse de la lumière. Mais où est-il ce putain de chat? Mais je l'ai vu ton chat! Oh my god! Non mais il est pas là, on est d'accord. Ça, ça se trouve, je m'acharne sur le chat alors que ça a rien à voir. J'adore les vieux RPG. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais là, j'ai changé de zone et du coup, il est de nouveau là. Donc, à mon avis, je m'acharne pour rien. Quoi? Ah, mais attends, là, il me suit. Non? Viens ici. Non mais putain. Oh le pathfinding quoi. Oh là là. Ouais il me suit. Ok. Ok. Putain ils vont fâcher. Mais putain. Mais c'est quoi ce pathfinding de merde? Allez viens. Ah ça c'est de la quête. Ça. Des petites quêtes comme j'aime bien dans les vues RPG. Petite quête FedEx. Non mais putain. Oui, vous êtes trop sympa. Mais tu es si gentil Chrono. Eh ouais ouais non mec, si tu crois je suis le héros. Et c'est tout, tu me donnes pas non. Eh hey. Je fais pas ça pour rien hein. Eh hey, petite fille, donne-moi du pognon. Bon d'accord. Tu es si gentil Chrono. Oh, ouais. Là on est d'accord qu'elle me drague quand même assez ouvertement. Déjà qu'elle me suit comme ça. Ils sont toujours pas prêts. Oh là là. On va aller regarder le spectacle. Merde. Salut. Ouais ouais tu fais très peur. Ton costume est génial. Tu fais ça pour te faire la princesse. Ah ouais non mais normal.
Waouh, un spectacle. Ça va être nul. Ah putain. Big the Wedge comme d'habitude. Même dans Chrono Trigger et ils nous font le coup quoi. Waouh. Ouais. Oh merde, j'ai pas regardé. Oh le con! J'ai pas. Non mais j'ai. Oh! J'ai. Oh. Callaghan, aide-moi, j'ai pas regardé. Je croyais que c'était une danse à la con, j'ai pas compris. C'est lequel? Ne me troll pas, s'il te plaît. Ah merde, j'aurais dû regarder sur le retour du stream. J'entends des bruits horribles. Bon, j'attends un peu, après j'y vais parce que ça se trouve tu n'as pas regardé non plus. Juste 2 secondes. D'accord, il y a eu un intrus sur le Mumble quelques secondes. Allez! Non, tu ne sais toujours, tu ne sais pas Callaghan, non? Je sais pas, je dirais celui du milieu, j'ai pas regardé. Bon allez, straight forward. Merde. Fallait peut-être tester tous les trucs et peut-être que maintenant c'est bon. Oh! Mais putain, c'est dingue! Ouais, faut faire quoi? Faut pas réussir le jeu de la bière quand même. Putain, mais dès le début, les ambiances quoi. Peut-être que j'aille danser encore? Ou y'a vraiment, y'a peut-être un timer interne ou un nombre de pas, je ne sais pas. Ouais mais non, c'est nul. Allez, on va se refaire le robot. Tu fais sauter mes joints. Ouais. Danser peut-être, ouais, peut-être redanser. Elle est cool la musique. La course, y a moyen de participer à la course? Ah merde, j'ai oublié de me soigner entre les combats. J'aurais dû me... Oh, je vais prendre cher. Ah oui, contre, salaud. Ouais, c'est le décès de Chrono. en pleine fête. Est-ce que j'ai déjà des objets? Non, bien évidemment. Putain, je crois que je vais réussir à faire game over sur l'intro, quoi. Ce serait quand même fou. Marl gagne un niveau, putain, c'est Marl qui gagne un niveau et l'autre ça reste un clodo quoi. Merde. Ouais, c'est génial, ouais. Allô? Du coup, il a un PV. Bon, c'est suffisant, on va dire, pour continuer l'aventure. Bim, 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 putain. Voilà, on va aller danser pour voir si ça fait quelque chose. Ah oui, donc la course, tu me disais qu'on peut y participer. Putain, mais comment on fait? Je crois que c'est la seule chose que je n'ai pas fait. Zal le Claude, ouais, c'est un peu ça. Quoi, je me fous dedans et on y va? Non, quand même. C'est pas aussi con que ça. T'as pas vu le sac rose près du vieux? Pas du tout. Ah mais si on doit voler des sacs maintenant... Sac rose près du vieux. Oh putain ça! Enfin. Tu es un vrai porc, Chrono. Oh zut! Eh oui, bah oui, je te montre ma vraie nature. D'ailleurs, je suis tellement un porc que viens, on va aller dans un coin. Non, on va pas commencer. Et ça a redonné des PV, c'est ça? Oh oui! Full vie! Merci, Callaghan! Maintenant que j'ai mangé, ils sont encore en train d'installer. Putain, de chiasse. Bim bidim bim bisni. Ah ouais, là on est bien. Là.
Allez, on va redanser un petit peu. Parce que ça me semble important. Attends, on a le rythme dans la peau quand même. What the fuck? Il y a aussi la sorte de bouclier près du même vieux, d'accord, je vais regarder. Je savais pas qu'on pouvait choper des trucs comme ça. Je croyais que c'était juste du décor. Ah, ce truc là? Ah bon? Non, ça a pas l'air de fonctionner. Ah ouais, donc ça on peut le spammer à l'infini et aller farmer le mob quoi. Putain, j'y crois pas, je me prends la tête pour pour passer là quoi. Je suis au tout début du jeu, ça commence bien. Oh là là. Bon, y a que la course que j'ai pas fait, mais je sais pas comment participer. Ils doivent sûrement être prêts maintenant, aller complètement au nord. Putain. Et comment tu sais que tu dois reparler à cette nana quoi? N'importe quoi, mais n'importe quoi! Mais c'est quoi ce scénario quoi? Attends! Je vais acheter des bonbons! Je peux t'offrir des bonbons. Sans aucun malentendu, bien sûr! C'est bon, t'as acheté des bonbons? Donne-moi juste une pute. Mais c'est une blague? Merde. Bonjour, je voudrais un peu de ceux-là. Bien sûr, jeune fille. Oh, c'est génial. Car t'es nul, mais je t'emmerde. C'était impossible de savoir ça. L'invention que, franchement, moi, je la tenterai pas, quoi. Ah ouais, ça a l'air vraiment cool. Salut toi. Bah ça a l'air très amusant, je vais regarder pendant que tu l'essayes. Mais putain, la fille quoi. Respecte-moi. Monte sur la partie gauche. Bah oui. Moi je le savais pas, mais je fais pas le jeu. Effectivement, ça se tient. Regarde les lunettes de la fille, quoi, y'a un problème? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas, on l'a assis sur nos animaux domestiques. C'est... Ouais. On sent tout de suite que ça va foirer, évidemment. Tous les systèmes enclenchés! Mec, il tape au marteau sur le truc, déjà. C'est pas rassurant, quoi. Wouah! Putain, c'était génial! Bon, je suppose que maintenant c'est la fille qui va le faire. Et là, il va certainement se passer quelque chose de terrible! Hein? Hey Chrono, comment tu t'es retrouvé avec une fille mignonne comme ça? Hey! Attends une seconde, Chrono, je vais revenir tout de suite! Ou pas? Et t'en vas pas, je reviens tout de suite! Balancez tout, attention, elle sait ce qu'elle veut, la petite. Je compte sur vous pour l'applaudir bien fort quand elle va réapparaître. Et moi, par contre, tout le monde s'en fout. Et après, on ose parler de sexisme. Oh, petite musique de l'angoisse. Pendentif qui s'illumine. Attention. Le syndrome du RPG va encore frapper. Oh non! Un problème! Incroyable! Waouh, putain, pas mal pour l'époque. Ce petit trou noir sympathique. Cette petite porte temporelle.
dieu. Luca. Où elle est? Non, en fait, en vrai français, on dit où est-elle, mais... C'est pas grave, les traductions amateurs, hein. D'accord, cassez-vous, non, mais... Elle a juste disparu. Mais retournez chez vous, il ne s'est rien passé, il n'y a rien à voir. Ouais, par contre, les petits spoils comme ça, ça va, mais essaye de pas tout me spoiler parce que ça va vite être chiant. Mais ça va, t'es pas obligé de remuer tes lunettes comme ça, on a compris. Chrono, tu l'as amené ici, tu dois la ramener maintenant. C'est pas moi qui... Enfin, je suis pour rien, moi. Et il y va comme ça, genre, il y a pas de mind game. Tu vas vraiment le faire? Comme si courageux de ta part. Non, enfin, moi, je le ferais pas en vrai, mais bon. Y'a que dans les RPG qu'on peut avoir des réactions comme ça. Tu t'appelles Marie-Antoinette, n'importe quoi. Waouh, le mode 7 dans tous ses états. Mode 7 plutôt, pour parler correctement. Par contre, si c'est RomStation qui fait ces bruits là, c'est chiant. Donc est-ce que ça va couper le jeu? Non. Apparemment ça va bien se passer. Waouh, directement dans les fourrés. Un petit combat. Paf. Tu obtiens 36, j'ai envie de dire gils, mais bon. On va dire peut-être gold. Ouais, j'ai bien vu qu'il y avait un truc, mais dans les RPG, j'aime bien fouiller. Et encore les embrouilles. Ouais, je gagne un niveau quoi. J'apprends cyclone. Ah oui, paraît que c'est cool ça. Je crois que c'est la zone. Oh, un petit coffre. Un grand noir. Voyons voir. Force plus 2. Ah oui. Sauf qu'à mon avis, ça ne s'utilise pas comme ça. What? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ah, ok, c'est... oui. Ça faisait quoi le bandana? Vitesse plus 1. Ouais, mais la force est cool aussi. Et éclair. C'est bien ça qu'il est marqué en haut, éclair. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je suppose que c'est des magies, un type de magie qu'il aurait assigné au perso. Mais... oh, ils sont mignons. Sans le petit up de force et le niveau. J'ai pas confiance en la bouboule.
Oh paf. Oh le crit. Tiens, je sais pas si tu connais bien le jeu, mais est-ce qu'il y a genre blindé de quêtes annexes? Non, on va y rentrer, il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés. Parce que j'adore les RPG où il y a plein de quêtes annexes. Un remède. Il me semble que ça va être utile. Ok, je pense qu'il n'y a plus rien à choper. Pas, peut-être même pas un petit passage. Ah, peut-être un passage là-bas, cela dit, non. C'est jamais. Oh paf, le crit, c'est ouf. Par contre, je trouve ça bizarre que les ennemis ils puissent se déplacer et toi pas. C'est assez particulier. Eh oui. Ah oui, d'accord. Je crois que je commence à comprendre le délire. Petite anecdote, tu es roux et donc tu n'as pas d'âme. Oui, oui, on va dire ça. Ouais, bah retournons au marché. Quoi? Ah oui, d'accord, ça avait l'air quand même beaucoup plus grand vu de l'extérieur. Vous allez affronter l'armée de Magus? Magnifique! Mais pensez bien à vous équiper avec les armes que vous achetez! Oui. Ok, donc ça me up, là, l'épée de fer me up. En fait, il y a tout qui est intéressant, si j'ai bien compris. Je pense que je vais prendre l'épée direct. Les fléchettes, ça... c'est pas pour moi apparemment. Une armure, ça peut peut-être être sympa aussi. J'ai combien? 300? Ah, c'est chiant. Non, plus tard. L'attaque, c'est cool. Au revoir. Je vais y arriver. Hein. Ah oui, j'avais une épée en bois, d'accord. Mais tout, le problème c'est que j'ai pas de thunes, il faudrait que j'aille farmer, je vais peut-être pas commencer à farmer directement. Donc là, bon. Ah oui d'accord, ça se passe comme ça les magasins, d'accord. Ok, j'avais pas compris, je croyais que c'était genre des villes. Ouais, c'est particulier. Hein. C'est pour Luca et armure, tu vas en drop sûrement. Ok. Point de choix. Je suis Banta, le forgeron. Je forge une cloche rien que pour le roi. Que non, une cloche pour que le roi puisse l'offrir à sa bien-aimée, la reine Lynn. Oui, bon, ok. J'ai arrêté quand la reine a disparu. Je ne pouvais pas continuer à forger pendant ce temps-là, mais maintenant, retour aux affaires comme d'habitude. Super ton histoire. Le farm ne sert à rien pour l'instant, je crois, d'accord. Mon mari veut une fille qui serait aussi intelligente que belle. Ben oui, je pense comme beaucoup de papas. Bah, je viens d'y aller, espèce de con. Bah si, c'est forcément la cloche qui était au milieu de la fête, quoi. Oh non, une église, désolé, je me casse. Non, évidemment que non. Bonjour, ma sœur. Ah, c'est original. Quoi?
Il déchire vraiment tout et j'avais bien lu. Quoi? Quel délice. Je veux dire délicieux comme les humains. Hein? C'est quoi ce monde de cinglés? Et merde. C'est une blague? Ah voilà. Là, un chemin. Il y a une forêt. Ouais, mais ça pue un peu la merde. Je suis tout seul encore. Il y a des trucs cachés dans les forêts. Putain, ça m'a surpris presque. Ah, je vais tenter un truc. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est trop stylé. Wouah! Oh, les dégâts de zone, incroyable! Et un petit crit pour terminer, parce que voilà. Petit niveau, hein? Petit niveau? Petit niveau? Hein? Petit niveau? Non. Je sais pas pourquoi je le sens pas, le chemin de gauche a l'air d'être le bon chemin. J'ai pas envie de trouver le bon chemin tout de suite, j'ai envie de tout loter. Non mais... Oh, ça va être chiant. Hein. Ok. Là je vais choper les trois. Ah non, que dalle. Ah oui, j'ai plus trop de PM là. Allez, là c'est le niveau. Non, ça a l'air d'être long les niveaux. Enfin long entre guillemets. Ah, truc qui brille. Tu obtiens un force plus. Force plus définitif ou... Bon ok, salut. What? Et merde, mais j'ai plus de... J'espère que remettre c'est les... Putain, j'ai de la chance, hein. Ah d'accord, il compte comme comme un seul mob. Oh. Ouais, level up. Ah, c'était un piège en fait. Sûrement un passage, non? Nope. J'espère pour rien. Il semblerait. Wouah, ils étaient cachés dans les fourrés. Ok, c'est pas un RPG qui a pris le parti pris de nous redonner tous nos PM et nos PV lors d'une montée en niveau. La princesse est pas avec moi? Bah non. Bah non, la princesse elle s'est barrée, je suis censé la retrouver. Oui bah oui. Salut Flatulent, superbe pseudo. Et je suis sincère. J'ai pas regardé du coup ce qui s'est passé. Bon. Petit critique. Deuxième critique. N'a pas l'air si rare. Je sais, on me fait souvent la remarque. Bah ben oui, en même temps, j'imagine que c'est l'effet voulu. C'est réussi. En plus, avec une arrivée en disant ça gaz, évidemment, le personnage est entier.
peut-être claquer un petit remède, hein, parce que je sens arriver un truc qui va me déglinguer. Non mais non. Les clubs Boston, c'est dégueulasse. C'est vrai que je suis pas très fan. Force plus 1, mais c'est définitif ou pas? Soin de tiroir entre les combats, oui. C'est définitif le force plus? Ouais, il semblerait. Au pire, si c'est pas définitif, je m'en tape. Donc, je tente. Et là, on sort de la forêt, voilà. Petit château! Halt, qui va là? Je sais pas. Regardez ses cheveux, d'où tu viens, gamin? Tu viens, c'est un soldat de Magus? Tu plaisantes? Ah ouais, c'est encore là aussi le parti pris des héros qui sont muets. Je viens seulement de m'en rendre compte. Maintenant, casse. Ouais, oh, tu me parles meilleur, oui! Je parie que c'est la fille. Je parie que c'est. Comment elle s'était déjà son nom? Marley? Ou Marle, hein, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais Marle, c'est un peu laid. Ouais, ouais, parle-moi mieux maintenant. Cire mes bottes aussi, tant que t'y es. Salaud. On va pas y aller tout de suite, on va peut-être fouiller un peu. Ah, de la bouffe! Les Japonais et la bouffe, quoi. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur dans tous les, dans beaucoup de RPG et dans les mangas encore plus. Pas un endroit pour les enfants. Peut-être que vous savez ce que sont ces crèmes glacées que la reine Lynn désire tant. Qu'est-ce que j'en sais? Mais il est con, quoi. Quoi? Mais on met le tôt. Putain, mais il y a des événements tout le temps. Ouah, les gros chevaliers! En armure dorée, quoi. J'ai presque envie de chanter Senseiya, quoi. Je ne le ferai pas. Oh là là. Mais il court. Ouah, les tensions. Mais bon, je peux me barrer, merci. C'était très intéressant. Bah, j'ai vu que le chef, il était pas top. Un peu un sac à merde. On m'a dit que tu faisais du Dark Souls. Tu comptes en faire ce soir? Non, c'est pas prévu. Ce soir, c'est pas prévu car bah, là, je commence Chrono Trigger. Et en plus, ce sera pas un stream extrêmement long car je dois me lever demain à mon grand désarroi, mais il y en aura. Il y en aura, mais je peux pas te dire quand. Demain, attends, je réfléchis. Demain, je ne suis pas obligé de me lever. Enfin, le surlendemain, je serai pas obligé de me lever tôt. Bah, à voir, quoi. Le mieux, c'est de me suivre sur Twitter pour savoir ce que je fais. Souvent, je l'annonce un peu en avance. Enfin, de me suivre ou pas, ou du moins d'aller checker sur Twitter, hein, pas obligé de me suivre. Hein. Oh! Il a l'air malade! Les troupes de Magus sont trop calmes, quelque chose se prépare. Voulez-vous dormir? Bah ouais! Putain, mais à la place du type, je saurais pas dormir comme ça, quoi.
Le pont Zénan ou Zénan est notre dernière ligne de défense. Nous devons le garder de nos vies. Bon, alors Flat, tu te calmes, c'est pas le stream de la demande ici. Donc... oui, faut pas prendre Kalagan au premier degré, hein. Je suppose que ça se remarque. Comme il le dit lui-même, troll en folie, quoi. Ah, ça c'est le mec aigri. Ouais, je viens de lui parler, sa caverne. Quoi ? Non. Putain, mais comment il m'insulte, le gars ? Ah, ils sont un peu violents, hein. Bon, allez, il est peut-être temps de continuer l'histoire. Chancelier. D'accord, ça c'était une ligne de dialogue absolument indispensable. Jeune homme, j'ai cru comprendre que tu es celui qui a sauvé ma chère épouse, la reine. Bah oui, j'espère que tu l'as pas. Comment dire, offusqué. Pardonne-moi, tu. Non, pardon. Oh, pardonne-moi, tu dois être épuisé, nous pourrons parler de ça plus tard. Va donc te reposer dans les quartiers des chevaliers. À gauche, la chanson. Non, ta gueule. Semble vous attendre. Attends quoi? La reine semble vous attendre dans la chambre. Oh là là, la reine veut me voir dans sa chambre. Bon allez, je sais, c'est des conneries, c'est con, mais je m'en fous, ça me fait rire. Bon, effectivement, ça ne ressemble pas à une chambre de reine, hein, ici, c'est le placard. C'est le placard, salut. Y a pas des objets planqués, si, un petit coffre, un petit remède, moins cher que gratuit. Ah oui? Allô? Oh là là, un petit coffre. Tu obtiens 100 gold, on va dire gold, hein, pour ne pas dire gils. Ou gils, je sais jamais comment ça se prononce. Moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours dit gils, alors c'est resté. Mais je vais aller où en fait? Parce que je lis pas bien en fait. Je passe plus le temps à dire des conneries. Eh ben oui. Pourtant, tout semble indiquer que ce serait par là. La blague qui n'a pas été comprise. Oh, je pense pas. Enfin, j'espère pas, ce serait un peu dommage. Mais je suis mongol ou quoi? Oui, non, mais ça va. Musique tonitruante. La chambre du roi est à l'étage, on est d'accord. Donc, selon moi, ce serait par là. Mais a priori, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Chancelier Palpatine! Tu peux compter à... Sérieusement, je suis aussi con que ça. Il semblerait que oui. Oh le con! Quel débile! Je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait forcément que deux étages. Je sais pas pourquoi. Mais ça va, mais parle-moi mieux. Pardon.
Ah là 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 là. Oui, mais la plus grosse erreur des streamers, c'est qu'ils ne font attention à rien de ce qui les entoure. Ça reste la baise. Ah non! Petit passage. La reine attend. Oui, oui. Musique tonitruante. Ah bah tiens, c'est étrange, elle a l'air plus jeune qu'avant. Bah oui, sans déconner. Vous n'avez pas l'air bien fort, attends, je vais te foutre mon épée dans le crâne, tu vas voir. Veuillez nous laisser, j'ai besoin de lui parler en privé. Approche-toi. Non mais ok, d'accord. J'étais eu un chrono, non, en fait, pas du tout. Ah, petite musique. Nous vous connaissons à peine, mais sans savoir pourquoi, je sentais que tu viendrais pour moi. C'est beau. Putain, mais ça commence direct, quoi. Merci, Chrono. Quelque chose ne va pas ! Bah oui, oui, effectivement. Je reviens peut-être dans quelques minutes. D'accord, Callaghan, lave-toi bien, j'ai envie de dire. Étrange de dire ça, d'ailleurs. Aide-moi, Chrono, j'ai peur, s'il te plaît. Putain, mais la nana, quoi. What the fuck ? Oh, le trip. Oh, what ? Ah ouais, l'angoisse absolue, quoi. Un éther. Ah ouais. T'as la suspicion, quoi. Les angoisses tout de suite. Pépadababam. Qu'est-ce qu'elle fout là? As-tu retrouvé la fille? Disparue? Comment ça disparue? C'est la princesse! Ah, la petite explication, quoi. Attention, les diapos. Bah oui, on s'en doute bien, si elle est tuée, forcément, les autres ne naîtront jamais. Voilà quoi. Eh bah oui, c'est la merde. Barré pendant les dialogues, en fait. Ah, c'est génial, le manque de respect, quoi. Putain, mais j'en sais rien où je dois aller. C'était peut-être dit, j'ai pas fait gaffe. Peu importe.
scellé par une énergie mystérieuse. Les RPG, n'est-ce pas? Combat! Quand même cool cette attaque. Ouah, des piafs. Je suis déjà fan de la musique. Paf, piqué, attaque en piqué. Ok. Peut-être l'église maintenant. Il y avait des gens bizarres. Enfin, la cathédrale plutôt. N'importe quoi. Est-ce que j'ai assez d'argent? Oh oui! Ok, on va prendre ça. Les petites fléchettes, kimono, pourquoi pas. Pardon. Phoenix est pour ressusciter, je pense qu'on va... On va en prendre deux. On va en prendre deux, voilà. On va jouer la sécurité. Fantastique, n'est-ce pas? Hop. J'aime ces points, on va aller. Ouais, peut-être tout simplement par là où je suis pas encore allé. Ça semble pas complètement stupide. Ok, le pont est pété, évidemment. C'est aussi une pirouette scénaristique assez classique pour ne pas avancer dans les RPG ou dans pas mal de jeux d'ailleurs, le pont brisé. C'est assez classique, mais ça marche toujours assez bien. Moi j'ai rien contre les clichés. Hein. Parfois justement c'est quand un jeu n'a pas assez de clichés qu'il est mauvais. À méditer bien entendu. D'origine. Il fallait que je reste au château, je parie. Ouais, il se passe rien, évidemment. Je crois que je vais faire une première petite save state. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser. Hein. Save game position, yes. Et je suppose qu'on peut sauvegarder de manière normale sur la map monde. Faudrait que j'essaye. Tintintin. Exactement. Change pas les grands classiques. Allez. Oh là là. On va se retaper la forêt.
les piafs. Pourquoi ils sont en surbrillance comme ça? Ils l'étaient pas avant, il me semble, si. Ils sont en transe limite ou un truc du style. Il y a un truc à faire en hein, tech. Na 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 na. Chrono gagne un niveau et Luca prend un jet de flamme. Double tech tourbifeu, quoi? Elle a eu autant d'attaques que ça? Je ferai ça. Oui, mais on a compris. Point de choix. Gagner un niveau, ok. Les musiques sont très sympas jusqu'à présent. Où ne suis-je point allé? Oui, le chef est grognon, on sait. On a déjà vu que ça ne servait à rien. Ah, le chancelier peut-être. Il avait l'air suspect. Il est toujours suspect, mais ça ne fait rien. Scellé par une énergie mystérieuse. D'accord, c'est le deuxième truc comme ça que je croise. Pas un sous-sol, non? Il y avait peut-être un truc ici que j'avais même pas vu. Ça a pas l'air. Hein. D'accord. Ouais, mais bon. Cathédrale, mais j'y suis allé. Rock à la gagne, du coup. J'y suis allé pourtant, j'ai peut-être pas parlé à tout le monde, mais j'y suis allé. C'est même le premier endroit où je suis allé en sortant, quoi. Ah oui, d'accord, lui il a chopé plein de double technique. Quoi? Bon, je ferai ça, je regarderai ça au calme. Bon, là je suis au calme, hein, on pourrait dire, mais. Je regarderai tranquillement hors combat.
déjà minuit 6, bordel, ça va vite, quoi. Je pense qu'il va bien me plaire, ce jeu. C'est vraiment un petit RPG à l'ancienne, comme j'aime bien. En plus, un que je ne connais pas, donc c'est toujours agréable de découvrir. Ah, en plus j'ai acheté des fléchettes et j'ai oublié de les équiper. On va tout de suite faire ça. Alors... Genre des fléchettes c'est plus puissant qu'un revolver. Rigolo. Montre les PV de l'ennemi, ça peut être pratique. Hein. Je vais garder ça. Le télescope pour voir les PV de l'ennemi, ça me semble assez cool. Bon, on retourne à la cathédrale du coup. J'ai peut-être pas parlé à tout le monde. Oui, voilà, allô. Toujours aussi chelou. Bah, je lui ai même parlé à elle, quoi. Ah, d'accord. Bah oui, c'était évident. Merde, j'aurais peut-être dû le sauvegarder et me soigner. Oh, je suis dans la merde. Non putain. L'application qui se ferme seule. Plutôt embêtant. Est-ce que j'ai assez pour lancer? Les dégâts ne sont pas là. Le décès? Putain. Là c'est le décès, clairement. Bon ça va, elles font pas de dégâts. Naga Head quoi. Les trades quoi. Ah, t'aurais pu faire un crit s'il te plaît. Allez, un petit critique quoi. Bon, au début du jeu, c'est un peu l'ennui, hein, les combats quand même. Enfin, ils sont cool, mais bon, c'est du tour par tour, on mâche beaucoup les attaques normales. Je suppose qu'après, il y aura plus de trucs à faire, plus de stratégie. C'est ça que je ne comprends pas, double technique, ça sort d'où? La double technique, c'est quand les deux sont prêts à attaquer. Ah! Ah, d'accord, et là, en fait, on a fait une attaque de groupe, et c'est pour ça que j'ai fait un truc de feu. C'est ça? Ah oui, c'est une attaque genre... ouais. Je crois que je comprends plus ou moins le principe.
Ah oui, bah là je vois sur le replay, j'avais pas fait gaffe, mais effectivement ça, on voit bien que j'ai fait les... que les deux ont attaqué. Bref, ouf, c'était juste! Quoi, encore, encore de l'angoisse? Ah putain. Oui, je l'avais vu. J'avais vu ce héros là et j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quoi? Êtes-vous ici pour sauver la reine? Ouais, désolé, j'avais envie de faire cette voix là. Une grenouille? Chrono, c'est une grenouille qui nous parle? Je déteste les grenouilles! Oh, c'est mignon les grenouilles pourtant. Ah, j'avoue que je verrais un mec grenouille qui tient une épée avec une cape. Je suis pas sûr que je serais extrêmement serein. Très bien. Faites comme il vous plaît. Mais je dois sauver la reine. Avec la musique, quoi. Alors attendez. Vous ne semblez pas être une méchante personne grenouille, je veux dire. Bon, on va aller avec, évidemment. Frog. Ah bah au moins c'est... c'est classique. Frog conviendra. Bah oui, c'est oui. Se pourrait-il qu'une porte cachée se trouve ici? Cherchons dans les environs. Je sais pas imiter les grenouilles, c'est dommage. Bah. Non, c'est pas, ça ressemblerait pas vraiment à une grenouille, plutôt à une poule ou un, une sorte, enfin, un volatile, on va dire. Du coup, merde, j'ai pas... Putain, j'ai pas écouté. Du coup, j'étais dans mes conneries d'imiter la... la grenouille et du coup, je ne sais pas où aller. On va piffer. On va piffer à un endroit. Non, mais respecte-toi. Le pont, sûrement pas. Hein. On est d'accord que... Ah, j'ai pas... Ah, c'est con que j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai pas regardé... Faudra que je sois... À l'avenir, plus concentré sur les dialogues, ça m'évitera de chercher comme un sac à merde et de faire chier tout le monde. Merde, j'aurais dû me soigner. Alors, il a des techniques langues. Restaure les PV d'un. Quoi? Genre, il me met un coup de langue et ça me rend des PV? Ça ne veut rien dire! C'est génial, c'est un soin. Trop cool. Ah, j'aurais jamais parié sur le fait que c'était un personnage healer, quoi. Je l'avoue. Ils vous font pas penser à des Totoro, ces ennemis-là? Moi, je dois avouer que pas mal, en fait. Est-ce qu'il y a moyen? Enfin, c'est juste pour le lol, hein. Ah, c'est quand même stylé. J'aime bien l'idée. Je suppose que ça peut amener pas mal de techniques par après. Allez, va rusher vers Luca pour lui faire un petit coup de langue. Luca a gagné niveau. Ah là là, un homme grenouille, quoi. Why not, hein? Non, j'ai plus de PM. Il fait des dégâts sympathiques, le héros grenouille. Frog. Un truc là-bas, mais il y avait une force magie, je sais pas trop quoi. Peut-être que ça c'est non. Toute évidence, non. Petite musique mystérieuse. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se barrer, on n'est pas obligé de les écouter. Peut-être le chancelier, du coup.
Plus je suis sûr. Enfin, c'est clair qu'il m'a dit où il allait, et vu que je devais le suivre, mais. Voilà, j'ai pas fait gaffe. Cathédrale tous les jours, le chancelier. Ben tiens donc. Une côte de bronze, une côte de bronze. Ah ouais. Gros gros boost de défense. J'ai au moins bien fait d'y aller pour ça. Revenir à mon point de départ. On peut pas les éviter les combats. C'est sûrement moyen. Quoi? Ah d'accord, j'ai seulement de comprendre que. Oui ok. Ok, putain, j'ai seulement de comprendre le menu, mais putain il a fallu le temps. Hein. Quel sac. Petit critique. Joli. Ah là, coup de langue maintenant, double tech, attaque, attaque X ou attaque K. Ça a l'air d'être attaque X. Les piaf. Fort bien, bon au moins on farme des objets, un peu d'XP, c'est pas totalement perdu. Peut-être le forgeron du coup. Il me semblait suspect le forgeron. Non, tout le monde s'en fout. Je veux une fille qui soit aussi intelligente que belle, ouais ouais, bah tout le monde veut ça. Hein. Ça me prête beaucoup ça, un casque de fer pour tout le monde. Deux, je vais en prendre deux. Pour commencer. Restaurer et détente, c'est comme dans le 7 et dans les FF en général, j'ai envie de dire. Remettre, j'en ai quelques-uns, je vais peut-être en prendre un peu plus. Ah ouais, d'accord, ça coûte pas cher, cool. Antidote pour le... ouais. Ok, c'est pas si mal. Une casquette. Alors... lui aussi là les gants noirs. Éclair feu haut, ouais. Donc il y a bien un type de magie qu'il aurait assigné. C'est intéressant. Ah mais il est super bien stuff, j'ai l'impression le crapaud là. Frog.
trouve l'auberge, très bien. Voilà. Merci Kerrigan. Était inquiet. Le roi est devenu fou quand la reine a disparu. Nous pensons tous que Magus lui avait mis la main dessus. Dieu merci, il est en sécurité maintenant. Superbe. Tavernier, une pinte. Une pinte, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Oui, bien sûr, je le savais, c'est évident. Putain, les mecs, les soldats, ils sont vraiment pas sympas. Oui. Waouh. Ah, mais il y a encore un truc scellé. Ah non. Ce coffret est dans la famille depuis des générations. Ouvrez-le et vous pouvez prendre ce qu'il contient. Quoi ? Ah oui, mais d'accord. Ouais. C'est vraiment la carotte, quoi. Genre, ah, trop bien! Ah bah non. On me dit dans l'oreillette que ça a rien fait. L'autre, il boit comme un porc. Moi aussi, je veux boire comme toi. Mais non, je suis pas fou. Non mais non. L'aubergiste. Y a pas moyen de le spammer un petit peu? Hey, tavernier. Non. Peut-être monter sans qu'on me demande rien. T'as dormi au lit? Bah je viens de le faire. Pas moyen de voler des baies, non? On va faire une petite sauvegarde, legit. Peut-être revenir au point de départ, hein, sait-on jamais. Je pense que c'était pas par là, hein. Je vous spoil. Ça doit être un truc évident en plus. Je vais peut-être retourner au château au final. Bah non, je suis allé voir les cuisiniers et tout. Non, je vois pas. Il a dû me le dire, hein. Je suis vraiment un sac de pas avoir fait attention à ce moment-là. Non, je suis allé là. T'as dormi au lit, mais quel lit? Pas celui de l'auberge. Celui de l'auberge, j'ai déjà dormi dedans. Pas moyen de faire quelque chose ici. Cathédrale encore? Il fallait peut-être faire un truc et j'ai pas fait attention. Ah, ce serait drôle. Ah, l'orgue, je parie. Putain de merde. C'était tellement évident. Non, en fait, ça va juste faire une mélodie et ça va servir à rien. Petit passage secret? Petit passage secret. D'accord, c'était en fait évident, tellement évident que j'y ai pas pensé. Wow, wow, du chutier, ça c'est une bien belle cathédrale, n'est-ce pas? Calmez-vous. Merci Kalagan encore. Hein. PV.
26 points d'expérience, ça déconne 0. Alors oui, il y a un truc que j'ai pas compris. Donc il y a l'expérience pour les niveaux, et je suppose que les points tech, c'est ça qui fait que tu prends des, que t'apprends des nouvelles techniques. Ça semblerait évident. Donc c'est pas lié au niveau les techniques a priori. Tiens, un phénix. Enfin oui. Un remade. Le jeu est joli hein, quand même. Une prêtresse. Quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent une prêtresse dans le jeu? Ah oui d'accord. Une armure. Une prêtresse. Putain, on voit bien qu'ils avaient pas beaucoup de place pour la trad française hein. Qui je pense est amateur. Bref. Luca peut-être. Ça fait quoi? Ça augmente pas mal l'armure. Bon ça, bah, ça semble évident que je peux pas y aller maintenant. Un sabre de fer pour le crapaud ou pour Chrono? Sabre de fer pour Chrono. Est-ce qu'ils utilisent les deux types, les deux mêmes types d'épée? Non. Donc c'est évident que c'est pour lui. Ah oui, gros up d'attaque, parfait. Stop intrus! Rendez-vous immédiatement! On va peut-être combiner sur leur gueule ceux-là. Ah si j'avais attendu j'aurais pu combiner si j'ai bien compris. Plein d'XP! Et pas de level pour autant. Mais c'est d'où je viens, non? Peut-être essayer d'y aller quand même. En mode salut. Salut! Donc là. Là, si j'attends, voilà. Je peux faire. Tourbifeu. Ça a l'air sympa. Wouah! Ah, j'adore l'attaque! Oh les dégâts! Ils aiment pas le feu. Chrono apprend en taille. Luca gagne un niveau. Tiens, question. Est-ce que je peux utiliser mes compétences hors combat? A priori oui. Ça c'est symbole d'un jeu bien fait. What? Burp, hey, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Pas besoin de ça ici. Ok. Ah d'accord, il se relaie pour se faire passer pour des humains, très bien. Putain mais il bouffe des humains, en de salaud. D'accord. L'embrouille quoi. L'autre il glisse tranquillement. Ah bah tiens donc. Non mais on s'en fout de vous, d'avoir les coffres. Allons au plus important. Les loot. Pim pim pim.
D'accord. En fait, tout va bien. Ok. Sont-ils enchantés? Sont-ils possédés? Ouais, voilà. Forcément. C'eût été beaucoup trop simple. Évidemment. Tourbifeu, attaque X. J'ai envie de tester attaque X. Ah, mais ça zone pas, attaque X. Tourbifeu. Tourbifeu, ça a l'air violent. Merde, je crois qu'ils étaient... Merde, ils étaient pas assez rapprochés. Attaque utilisée pour rien. L'ennemi en deux. Ça a l'air sympa dit comme ça. D'accord. Le mec il te met une petite léchouille et puis vra. Frog gagne un niveau. Très bien. Ah, je me rends taper le truc à chaque fois, j'aurais dû passer. Ah oui, là ils sont bien placés. Moi j'utilise tout MMP. Je sens qu'il y aura un boss et que je n'aurai plus de MP. Oh là là, en plus il va falloir que je tarde pas trop. Allez, on finit quand même ce petit passage. Quitte à pousser le live et d'être crevé demain, de toute façon tout le monde s'en fout. La fatigue c'est surfait. Ouais, utilise pas les MP, ouais ouais. C'est parce que je découvre alors je suis tout content. Mais j'ai des éthers, au pire. Oh mais là j'ai envie d'utiliser mes MP, ils sont super bien paqués là. Ah ils le sont moins bien là. Oh ils sont tellement bien, non je suis obligé. Ah ils sont tellement bien, on peut choper les trois. Là j'avais envie. Oh oui c'est beau. Trop tentant. Chrono gagne un niveau! Yeah! Vague hypno, sûrement un contrôle. Ça sent le boss. Ça sent, ça sent un peu le boss quand même. C'est peut-être pas du tout le cas, je fabule sûrement. Peut-être, mais. Dans le doute. Ça rend combien? 10 MP! Ah ouais, d'accord, c'est pas worth it. Hein. Au pire. Ah ça sent le point de sauvegarde. Je suppose. C'est ça. Et point de sauvegarde veut dire boss. Souvent. Une tente. C'est toi la tente. Hein? Oh le piège dégueulasse. Salut. Quoi? Oh la baise. Oh les dégâts ridicules. C'est parce qu'il a une armure. Il a du pognon sur lui. Là, obligé de me taper ce chemin. Oh, je vois. Des coffres. Tiens, il y a beaucoup de coffres dans le jeu. Peut-être que c'est parce que c'est le début. Une petite note.
Cherchez encore et encore et vous trouverez un chemin. Sûrement un indice. Un indice incroyable. Je vais le tenter, mais à mon avis... D'accord, on peut même pas y aller. Cherchez encore et vous trouverez le chemin. Non ! Ah oh, un petit raté, le premier. Pardon. Sans doute le premier d'une longue série, n'est-ce pas? Et là les crânes, c'est quoi? Putain, d'accord. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais j'en ai vu d'autres, ça qui fait chier. Est-ce que ce combat va faire office de boss? Dans le doute. Tourbifeu, je peux pas. Je peux passer ici. Oh oui, on touche les trois. Non mais, en bas, voilà. Joli coup. Non, c'est pas un boss, c'est trop simple. Luca gagne un niveau. Tiens, une épée de fer. Tiens donc, sûrement pour le crapaud. Bien. Il joue vachement bien de l'orgue. Quelque chose s'est ouvert. Bien sûr, on ne sait pas encore quoi. Tu le reconnaîtras, le boss, oui, j'imagine. D'accord, il s'est sûrement passé un truc, mais... Ah ! Ah oui, d'accord. L'embuscade. Donc, c'est pas des boss. Donc, j'ai enfin arrêté de claquer mes MP comme un débile. Critique. J'aurais peut-être dû focus la chauve-souris possédée. Pan. Ouais, j'aurais dû la focus direct. D'accord, le passage est là. Non, bah, on arnaque. Ouais, point de sauvegarde avant une porte. Petite musique épique. Toi, comment es-tu arrivé ici? Frog! Majesté, reculez et laissez-nous l'honneur! Oui, et sois prudent! Ah, c'est tellement épique! Il est inutile de se battre! Personne ne partira d'ici vivant! Stupide grenouille, machin!
Vraie forme. Changement. Changement de Power Rangers. Wow. Alors ça, c'est de la forme. Ah, c'était ça ta vraie forme. Magnifique. Superbe. Ah oui, il est bien... Il est très bon. Il est très très bon. Il a une bonne gueule de boss. Oh, la musique de boss, quoi. Carrément. Waouh. Waouh. On dort les ennemis. Non, ça marche vraiment pas sur les boss. Combien de dégâts? Ok. Oui. Ouh, lui. Soigne-toi, vieux. J'aurais peut-être dû faire une combinaison, tant pis. Serait-ce bon? Ah non, c'est une grosse attaque de zone. Ok. Ok. Mais c'est lui qui est focus, quoi. Ah, Luca prend cher. On va tous se soigner. Un gros coup. Ah, c'est Frog que j'aurais dû soigner. Manque de lucidité. Putain, l'attaque de zone. Normalement, ça devrait pas tuer. T'as peut-être un séisme. Ok, ça va, plus de peur que de mal. Tenter un petit tourbifeu. Même si c'est plus des attaques de zone, je sais jamais qu'il ait une faiblesse au feu. Merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu combien ça lui a mis. Je ne faisais point attention. Super mal ce truc. Ah, il est cool ce jeu. Je m'amuse bien. Salut Tirelou. Frog gagne un niveau, bien entendu. Ah, la musique de la gloire. Il est venu pour me sauver, merci Frog, ouais! Le roi attend, retournons au château. Je vous remercie, Chrono et Luca. Oui, merci beaucoup, veuillez nous rejoindre. Je crois que la fille, elle a changé de voix avec moi au moins 5 fois. Tous les persos changent de voix tout le temps, c'est pas trop grave. Oh, what the fuck is this? Ah, le vrai chancelier. J'aurais préféré un loot. À moins que tu me donnes un loot. Oh, oh votre Altesse. Comme vous pouvez le voir, je suis sans souffle. On s'en fout. Retournons au château. Maintenant, la récompense en nature. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Le Waguaria. Ah bon, on va peut-être lui faire un petit accent latino, mais je vais pas y arriver. Majesté un Kellin. Non, on va pas faire ça. Ce satané Yakra. Ah non, pardon. Oh, ce satané Yakra m'imité pour kidnapper la reine. Nous devons créer un système de justice criminelle dans ce royaume pour s'occuper de tels malfaiteurs. Eh oui. J'ai échoué dans mon devoir de protéger la reine. Mon honneur est souillé. Frog. Je m'en vais tel un prince. Référence. Oui, c'est vrai que c'est pas la même, effectivement. Donc c'est pas totalement con que la voix ait changé.
Tu as été parfait. Machin. Au fait, où est la fille que l'on a prise pour moi? Ah, je sais pas quelle voix je pourrais lui faire à Luca. Oh, je sais pas, on va dire... Oups, j'avais oublié la princesse Nadia. Chrono, où la princesse Nadia a-t-elle disparu? Elle devrait encore être là. Ah bah, elle devrait, oui. Ah bah oui, mais comme elle a été sauvée, maintenant elle doit avoir repopé. Quel génie, pour une fois je n'ai pas mis 50 ans à trouver le chemin. Marly. Alors, est-ce que vous savez comment ça se prononce? Marly ou Marle? Ou autre chose? Parce que ça me perturbe. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La princesse Nadia. Ah merde, c'était un point d'exclamation. La princesse Nadia! Chrono! C'était affreux, je me souviens pas du tout. C'était dans un lieu froid, sombre, isolé. Est-ce que c'est ça, mourir? Moment de tension. Mes hommages, princesse Nadia. Tu as aussi risqué ta vie pour me sauver, princesse Nadia? Je crois que vous avez tout découvert, n'est-ce pas? Désolé Chrono, je n'aime pas me mentir, d'accord. Je n'aime pas mentir. La récompense, bordel. Moi, je vais arrêter de faire des imitations de voix complètement nazes. Je suis la princesse Nadia. Mon père est le 33e roi de Guardia. La Guardia Civil. J'ai vraiment aimé être avec toi à la fête. Mais si tu avais su qui j'étais vraiment... Tu m'aurais demandé du pognon. Enfin, je veux dire, Chrono, n'aimerais-tu... Tu ne m'aurais pas accompagné à la fête, si? Si. S'en fout. Oh, Chrono, c'est pour ça que je t'aide, putain. Elle drague quand même méchamment, là. Attention, jeune fille, attention. Je vais demander aux autres de quitter la pièce. Non. Bref. Bah, je rappelle quand même qu'on s'est rencontrés il y a quoi? Une heure? Deux heures? La vraie reine est sauve, non? Rentrons chez nous, Chrono. Il me semble que ça va pas être aussi simple que ça. Donc si je suis bien ce qu'ils viennent de me dire... On va se barrer, quoi. Enfin, on doit retourner de là où... Merde, si. Là où on vient d'arriver. Non, enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais je me comprends. Je dirais pas que c'est le principal, mais presque. Salut. Elle est pas farouche, la gourgandine. C'est exactement ça, n'est-ce pas? C'est pas ma faute que la reine fut mise en danger. Je dois partir pour de bon. Casse-toi. Yik! J'arrive pas à imiter la grenouille parce que là on dirait vraiment qu'il fait le truc des grenouilles, j'arrive pas à le faire, ça m'emmerde. Non, je sais pas comment on fait, on va oublier ça. En effet, votre ressemblance avec la reine est troublante. Chrono, vous avez le potentiel pour devenir une fine lame. Il s'en va tel un prince. La grenouille? Tu n'es pas un mauvais bourre non plus. Oh, c'est mignon. Alors non, pas de zoophilie avec Luca et la grenouille, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Très bien. Oups. Dans les fourrés. Des piaf avec... Courroussé. Attends, ils auraient pu me remettre mes points de vie quand même. Super cool ce jeu. Tap cri grenouille. Ouais, j'avoue, je devrais faire ça pour le prochain stream. Mais en plus, je crois qu'il y a moyen de mettre des sons sur OBS en raccourci et je pourrais les utiliser quand je veux. Mais je crois qu'il y aura un décalage et que ce sera nul. Mais ça peut être. Si j'y arrive, ça peut être drôle.
On essayera ça pour rigoler. Tiens, remède. Chrono gagne un niveau. Bah écoute, moi je l'avais testé quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans. Ah, je suppose que tu l'as vraiment bien aimé. Ouais, donc il n'y a pas d'angoisse, ça reste un piège. Mais j'imagine qu'à sa sortie, ça a vraiment dû faire un tabac, hein. Parce que, enfin, même en remettant dans le contexte, le jeu... Merde, j'ai pas vu. Un tourbillon et un truc d'aura, c'est ça? Enfin, à l'époque où il est sorti, il devait être jugé comme magnifique, ce jeu. Parce que même maintenant, je trouve qu'il est super beau, quoi. Petit pixel art tout magnifique, franchement. Tain. Des musiques géniales, en plus, jusqu'à présent. Tiens donc. Secret of Mana, bien sûr. Pareil, un jeu que j'ai jamais joué personnellement, mais j'ai vu des potes y jouer et j'ai surtout vu le speedrun. Mais oui, Secret of Mana, bien évidemment. Téléchargé d'ailleurs aussi, je l'ai en téléchargement. Donc à faire aussi, pourquoi pas. On peut farmer des éthers sur eux. Bon, je suppose que ça va être la base. Quoi, c'est pas ici? Ah si, putain, quel con. Pardon. Comment rentrons-nous? Votre Altesse, princesse. Nous. Appelle-moi Marle. Bien entendu. Ou Meryl. Je sais pas trop comment on dit. On va dire Marle. Hein. On va arrêter de se prendre la tête. Marle. Appelle-moi Marle, bien sûr. Bien. Bien. Alors Marle, observe. Observe. Observe bien. Oui. Magical Girl. Waouh. Luca. Tu es incroyable. Et en plus, c'est vrai. Putain, d'accord. Oh, je veux dire... Non mais ça va, on a compris que tu te l'as pété, c'est bon, fais-nous passer et arrête de faire chier. Assez de fausse modestie, tu as un vrai don. J'échangerai mes ancêtres au royaume contre ton génie sans aucune hésitation. Ah tiens. Oh oui, c'est joli. J'appelle cette chose un portail, merci de nous prendre pour des cons. C'est un téléporteur qui vous amène au même endroit, mais une époque différente. On avait remarqué. Les portails sont très instables, alors j'ai utilisé les pièces de ma machine, le télépod. Pour créer une clé du portail, maintenant, nous pouvons les utiliser quand bon nous semble, n'est-ce pas? Mais pourquoi donc ce portail est-il soudainement apparu? Oh ça... Oh, soit le télépod est concerné... Quoi? Soit le télépod est concerné, soit quelque chose d'autre l'a créé... Ça devient vraiment étrange. Putain, l'autre il dit rien depuis tout à l'heure, tu sais. Il a ouais. Ça devient vraiment étrange. Retournons d'abord dans notre propre époque. Très bien, tu viens, Chrono? Ah, pardon, vous venez de me réveiller. Interesting. Hey, salut! Ça fait un moment, n'est-ce pas? Disney, bling, ding, 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 ding. Ouf, on est de retour.
Chrono, Luca, pourquoi vous ne venez pas avec moi au château? Ce serait bien que vous veniez dîner avec nous. Oh ouais. Je suis désolé de t'avoir embarqué là-dedans, Marl. Tu rigoles? Je m'étais pas autant amusé depuis des mois. Nouveau ami. Chrono, sois un gentleman et ramène-moi chez elle. J'ai encore du travail à faire. Eh ben, non, ramène-la chez elle, je crois que c'était. Calaca. C'est vrai que j'en ai toujours. Ah oh, merde, putain. A bientôt, Luca. Maintenant qu'on est tous les deux, ma récompense. Tu m'escortes jusqu'à la maison, Chrono? Oh oui. Salut les gars, on a disparu un petit moment, mais ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles choses au magasin? Oh bonjour, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Sabre de fer. Avec le sabre de fer, tu peux tout faire. Excusez-moi. Ouah, la forêt du futur. C'est la forêt de la futur. Oh, un oiseau cloche. Réveillez-vous! Debout là-dedans! Oui, je t'escorce par son, par cette ruelle sombre et glauque où personne ne verra. Bien entendu. Double technique, tourbillon. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tourbillon? Attends, tourbillon et ça nous cible d'où? J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Il était sûrement marqué. Peu importe. Waouh, île de zone, trop stylé! C'est reparti. C'est des champignons. Des champignons possédés comme dans Dark Souls. Ouais, là, ça marche pas évidemment, il s'est replacé. Ah, c'est vraiment des clodos en fait. Oula, il est 1h, faut pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va aller au château, faire un petit brin de dialogue et puis tranquillement arrêter le stream. Ah, ils ont changé, ouais. Ils se ressemblent quoi. Comme tu que tu. Oh oui, merde, les dialogues. À vous, Rakai! Tu l'as emmené sous le faux prétexte pour renverser le trône terroriste! Oh là là! Attention! Arrêtez ça! Ouah! Arrêtez ça sur le champ! C'est le haki, ça! Non, évidemment non, j'ai compris qu'il s'agenouillait. Enfin, c'est complètement stupide. Oh, je suis jugé. Oh, la baise. Ah oui, oh, je suis le chancelier, représentant de la partie civile. Je suis l'avocat, Pierre. Oh, membre de la cour,
nous présentons maintenant l'accusé, Chrono, qui est poursuivi pour l'enlèvement de la princesse Nadia. Ah oui? Que devons-nous faire? De cette racaille? La chaise électrique, peut-être? Genre, la chaise électrique, quoi. Ou pourrions-nous dépoussiérer et réutiliser la guillotine? C'est vous le jury qui déciderez de son sort. Maintenant, oui, commençons. Chrono, vous devez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Chrono est accusé d'avoir enlevé avec préméditation un membre de la famille royale. La question est, a-t-il enlevé la princesse Nadia? La réponse, non, il ne l'a pas enlevé. En fait, il n'y a pas eu d'enlèvement. Les deux se sont rencontrés par accident. En fait, c'est elle qui a demandé à Chrono si elle pouvait rester avec lui. Oh, est-ce vrai? Qui a commencé tout ceci? Oh, j'en sais rien, c'est moi, laissez-moi. Grand prince. Oh, comme je le suspectais, l'accusé a délibérément essayé de s'approcher de la princesse. En plus non, c'est elle qui m'a rentré dedans, techniquement. Hé hey. Oh, la princesse vous a alors suivi innocemment jusqu'au petit spectacle de Luca, où vous avez tous les deux disparu. Si ça ce n'est pas de l'enlèvement criminel, alors je ne sais pas ce que c'est. Oh, et j'ai des faits qui remettent le caractère de l'accusé en question. Objection, n'est-ce pas? Ceci ne peut rien apporter de probant à cette affaire. Ah merde, c'était pas les mêmes voix, tant pis. Que répondez-vous, chancelier? Oh, le caractère de Chrono est au cœur même de cette affaire. Nous n'avons rien à gâcher. Nous avons un témoin, une petite fille qui va plaider en faveur de la défense. Oh, c'est ce que nous allons voir. Ah, mais ce n'est pas tout vu. Ah, mais c'est tout vu, plutôt. N'est-ce pas? J'ai pu avoir de voix à la fin. C'est gentil, monsieur, il m'a... Oh, il m'a ramené mon chaton. Merci beaucoup. Oh, comme c'est mignon. Est-ce que ce jeune homme ne mériterait pas une médaille? Ah, je confonds un peu les voix. Ouf, ça s'annonce pas trop mal. Oh, avez-vous déjà volé quelque chose? Je réfléchis, j'ai volé des trucs. Oh oui, merde, oui, en plus. Merde, bah oui. Ah, je vais pas mentir. Voyez, aucune morale. Que le greffier note ceci, évidemment. C'est lui! Il a mangé mon déjeuner qui était sur la table! Eh merde, putain! Je vois. Allez, courage. Oh, greffier, notez qu'il a volé un pauvre homme sans défense. C'est mal, vous voyez. Le problème est ici le motif. Y avait-il un motif pour ce brave citoyen d'enlever la princesse Nadia? Non, il n'y en avait pas. Oh, vous voulez rire? Et la rançon, alors? Chrono, j'aventure de vous attenter, n'est-ce pas? Oh, c'est pas grave, Callaghan. Pas de soucis, de toute façon, je pense que ça change rien dans le scénario. Bah non, je savais même pas que c'était une princesse. Êtes-vous sûr? Vous n'avez jamais été tenté? Je vous demande de garder en tête le fait qu'il a déclaré n'avoir aucun intérêt pour sa fortune. Témoin, je vous prie. J'ai mal à la gorge à force de faire ces conneries. Ne va pas l'ignorer, je l'ai vu de mes propres yeux.
Oh mon dieu, je suis si nerveux. Cet homme a récupéré le pendentif avant même d'avoir vérifié si la princesse allait bien. Oh. Oh là là, les détails quoi. Ça c'est pour te forcer à refaire le jeu et voir si c'est différent, c'est rigolo. C'est bon, je peux partir? Ouais, bon, ok, c'est la baisse quoi. Membre du jury, s'il est coupable, allez à gauche, sinon allez à droite. Okay. Non coupable. Ouais, mais ça va être la baisse. Je le sais bien, ça va être la baisse. Coupable, évidemment. Ils sont contents, hein. Non coupable. Coupable. Oh là là. Non mais, reviens le jeu, merci. Non coupable. Oh là là, c'est serré. Coupable, ah oui. Non coupable. Tiens, dans ta gueule. Silence dans le tribunal. Verdict a été rendu. Chrono est donc coupable. Oh, incroyable. Mais le fait qu'il a fui avec elle, même sans l'enlever, Chrono est donc condamné à 3 jours d'emprisonnement. Ça va, 3 jours, c'est pas la mort. L'audience est levée. Oh, emmenez-le. Ouais, le roi se ramène, dit ouais, comporte-toi comme une princesse, elle dit ouais, non, voilà. Chrono, non! 3 jours, c'est trop dur! Je pense que dans le scénario totalement normal, c'est pas que 3 jours parce que là ils font quand même beaucoup de bruit pour 3 jours. Voilà, tout de suite les grands mots. Oh, ce monstre tout de suite, oh les gars. À l'exécution quoi? Allô? What the fuck quoi? L'acte pénal est sûrement perdu dans le système administratif. Oh là là. Oh le bâtard. Je comprends mieux l'aspect tragique. Putain quoi. C'est dégueulasse. Petit bruit de goutte. C'est ma bouffe, c'est ça? Espèce de salaud de criminel, putain, ça m'insulte quoi. Oh, c'est tellement méchant. Ah ouais, ils ont comme une chope quoi. Très bien. Petite sauvegarde. Et ça va être le moment parfait pour finir le stream. Ah oui, à chaque fois qu'on sauvegarde, c'est ça. Enfin bref, de toute façon, j'ai sauvegardé. Ça va être le moment opportun de terminer le stream. Donc, je crois qu'il ne reste plus que toi, Callaghan. Mais au cas où, il y aurait des gens furtifs que je n'ai pas vus. Je vous dis à tous, merci d'être passés. Des bisous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. En tout cas, j'ai adoré cette toute première partie de jeu. Je referai probablement des streams dessus parce que je me suis vraiment bien amusé. C'est vraiment un jeu qui a l'air très très sympathique. Je pense que sa réputation est méritée. Donc voilà, sur ces belles paroles, eh bien, tout simplement, à demain. Carrément, à demain pour de nouvelles aventures et un stream normalement beaucoup plus long car je ne devrais pas me lever, en théorie. Allez, ciao ciao, des bisous.